direct sur RMC. Et aujourd'hui, nous sommes avec Étienne Liebig, qui est anthropologue et éducateur, maître Marie-Anne Soubré, avocate, Laurence Fournier, mère de famille et blogueuse du côté du Maine-et-Loire. Et on accueille notre invité pour Grand Oral des GG. RMC, le Grand Oral des Grandes Gueules. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc en fait, j'accueille Jean-Marie Le Pen ou j'accueille Robocop ? Robocop, oui, ben, je suis un peu. On m'a mis des petits morceaux de plus, sans ça, je ne serais pas là. Vous dites vous-même, aujourd'hui je suis devenu Robocop, mon œil de verre. Ben, j'ai un œil de verre, j'ai des appareils auditifs, j'ai des hanches artificielles, pas mal de choses comme ça. Mais qu'est-ce qui vous tient alors ? Qu'est-ce qui vous maintient ? Ben, pour l'instant, je me tiens pas mal, merci. Ouais. Ça va, mais je fais ce qu'il faut, je bouge les trous. Oui, c'est-à-dire. Comment vous maintenez... Quand il y a une difficulté, ben j'essaye de la contourner. Oui. Mais quand on n'est plus dans la vie politique, ce qui a été votre cas, vous avez un parcours politique qui est en ligne directe tout le long de la 5e République. Mais oui. Quand on n'est plus comme ça dans le combat permanent politique, comment on se maintient alors ? Qu'est-ce qui vous tient ? Je me tiens naturellement par la pensée d'abord. Oui. Par le sentiment, l'enthousiasme, ça vous donne de la force. Je me disais en lisant votre livre, si vous aviez eu toute votre force, est-ce que vous auriez pu être dans la rue avec un gilet jaune ? Non, je n'étais pas... Vous savez, j'ai un sentiment sur le gilet jaune... Le gilet jaune, c'était lui qui était le chef de la manifestation. À la vérité, la manifestation n'avait pas de chef. Mais il y avait un gilet, un uniforme. Et c'est l'identité de l'uniforme qui a fait la force de rassemblement de gens qui avaient des opinions différentes, sans doute, qui étaient hostiles, bien sûr, à la politique du gouvernement, mais qui, tout de même, n'avaient pas peut-être de raison d'être ensemble. Et c'est l'uniforme, c'était cette veste jaune que l'on a l'obligation d'avoir dans son coffre quand on est automobiliste, qui a fait que, dans le fond, c'est apparu comme une armée organisée. Mais vous l'avez regardé de manière plutôt intriguée et bienveillante. Non, plutôt sympathique. Parce que vous avez dit, c'est le peuple se lève enfin, quoi. Absolument, plutôt sympathique. Le peuple intervient dans ses propres affaires avec beaucoup de détermination et de fidélité. J'ai trouvé ça assez sympathique. Bon, à la fin, ça finissait par être fatigant pour tout le monde, y compris pour les manifestants, d'ailleurs, qui avaient dans ce domaine-là un certain mérite. Oui, mais vous dites, on les a matés. Les tuniques bleues et leurs matraques les ont matés, les gilets jaunes. Non, ils n'ont pas été matés. Mis au pas. Je pense que le gouvernement a joué la durée, les a fatigués, mais ça a duré longtemps quand même. Ils ont résisté très longtemps et ils sont toujours présents. On ne peut pas dire qu'ils soient absolument partis. Mais vous pensez que Christophe Castaner et les interventions policières ont été excessives contre les gilets jaunes ou pas ? Écoutez, dans tous les affrontements, il y a forcément des moments où il peut y avoir des excès, c'est évident ça. Les gens, ce sont des hommes ou des femmes éventuellement d'ailleurs, mais enfin, ce sont des êtres humains avec des sentiments, des réactions qui sont quelquefois normales. Ça fait qu'à partir du moment où on s'empoigne, il ne faut pas s'étonner qu'on se fasse mal. Votre livre, quand on le prend dans son intégralité, on reparcourt l'histoire politique française, votre histoire personnelle aussi. Là, c'est le deuxième tome, on est dans les années 70. On vit aussi la montée du Front National, les difficultés. Vous dites la manière dont l'État, le système et le système médiatique ont essayé de vous briser, de vous maintenir là où vous y êtes. Mais j'ai l'impression que vous tentez une espèce de réhabilitation. Vous vous dites, quand j'aurai disparu, on me jugera autrement, c'est vrai ou pas ? Vous pensez ça ? Si j'en juge d'après les fastes des obsèques de Jacques Chirac, qui me semblaient tout à fait disproportionnées avec ses mérites, je pense que je bénéficierai peut-être de la même pente d'opinion. Et on dit déjà, d'ailleurs, Le Pen avait raison. Et on dira peut-être encore plus, demain on dira après tout. C'était un assez brave type. Il y a le côté brave type, brave type, je ne sais pas si on dira non, ça, mais monsieur, pourquoi est-ce qu'on vous donne... Il n'y a aucun risque de ce côté-là, je pense. Hein. Brave type, non. Brave type, non. Pardon. Non, vous dites, on dira que j'étais un assez brave type. Même en lisant vos mémoires, je ne pense pas qu'on dira ça de vous, hein, monsieur Le Pen. Ah, je ne sais pas, peut-être, mais quand je serai mort,
on jugera ma vie tout entière et pas seulement le tome 2 de mes mémoires. Il y a aussi le tome 1 qui donne des explications. Car à la différence de mes concurrents politiques, eux, pour faire de la politique, ils n'ont eu qu'à mettre leurs pieds dans les chaussons de leurs prédécesseurs. Moi, j'ai dû construire un mouvement complètement ex nihilo. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est qu'en 1974, aux élections présidentielles, j'ai fait 0,74% de voix. Et mon mérite, ça a été de ne pas m'arrêter là. J'aurais pu rentrer en me disant, après tout, ça va, t'as compris. Non, j'ai continué malgré tout pendant un demi-siècle. Mais est-ce que le Front National pour un jour, ou le Rassemblement National, gagnait l'élection présidentielle ? Oui, c'est possible, bien sûr. C'est pour ça qu'il combat. Quand ? Écoutez, je pense que les événements dramatiques que nous allons vivre dans les décennies qui viennent vont conforter son analyse et accroître la confiance que les citoyens peuvent avoir dans son programme et dans ses mérites. Marine sera présidente, Marine Le Pen ? Elle pourrait, oui. Si j'en juge d'après les débats que j'ai vus avant-hier, hier par exemple, il me semble qu'elle a le gabarit, elle a les épaules et le reste suffisant. Oui, mais vous l'évoquez aussi dans votre livre, le problème pour le Front National, ce sont les alliances. C'est comment est-ce qu'avec les structures de la Ve République, arriver au deuxième tour, c'est une chose, vous l'avez fait, Marine Le Pen l'a fait, mais ensuite il faut faire 50 plus quelques pourcentages pour gagner, Jean-Marie Le Pen. Oui, absolument, mais je n'ai jamais été un adversaire des alliances. Je dirais même que je suis un des promoteurs du Rassemblement National et un des promoteurs de l'union des droites, en l'occurrence, quand le gouvernement était à gauche, ce qu'il est encore actuellement, bien sûr. Alors, question, oui, moi, j'avais une question à vous poser. Là, maintenant, quand vous regardez votre vie, en lisant votre livre, et puis je me suis dit, mais à quoi ça a servi le Front National et à quoi vous avez servi? Parce que finalement, vous avez été toujours un mouvement d'opposition. Jamais vraiment vous n'avez eu de pouvoir. Donc vous êtes que dans l'idéologie. Et en plus, je trouve qu'on pourrait comparer, mais contrairement à des partis de gauche, par exemple, qui n'ont jamais été au pouvoir non plus, mais qui étaient dans les entreprises à travers les syndicats, etc. Quelle a été votre utilité en dehors d'être idéologique ? Mais la liaison permanente que nous avons eue avec le peuple français. Je crois participer à 61 élections différentes au cours de ces 50 ans. 61 élections différentes. À chaque élection, il y a un débat. Et dans ce débat, la voix de l'opposition nationale se faisait entendre et ralliait d'ailleurs des millions de citoyens qui partageaient ce sentiment. C'est ça la vie politique, la vie démocratique, c'est ça. Ce n'est pas seulement un gouvernement et des citoyens qui obéissent aux lois ou n'obéissent pas d'ailleurs. C'est aussi un débat, une participation intellectuelle, psychologique, affective du peuple avec le gouvernement. Donc vous avez enrichi le débat démocratique. Absolument. J'y ai participé de tout mon cœur, en tout cas. Ouais, vous l'avez envenimé aussi, parfois, avec vos sorties, vos saillies et autres. Non, c'est ça. Je crois qu'on a utilisé de façon abusive des morceaux de discours ou d'interviews. Quand on a parlé des milliers de fois, il est évident qu'il est assez facile d'isoler un texte et d'essayer de s'en servir avec les trompettes et les tambours. Laurence Fournier et Marianne Souré. Laurence. Vous disiez tout à l'heure que Marine Le Pen pouvait gagner les élections et avait les épaules pour. Vous avez souligné dans votre livre qu'en 2017, comme vous-même en 2002, vous manquiez d'équipe et d'appui pour la préélection si vous aviez gagné le deuxième tour. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a les appuis, les talents, les compétences et les équipes et les états-majors nécessaires pour prendre les manettes du pouvoir? Je pense qu'elle a le noyau suffisant. Le noyau attractif. Et je ne doute pas qu'ayant remporté la victoire, un certain nombre de gens volent à son secours. Par conséquent, je pense qu'elle trouvera dans ce pays où d'ailleurs la politique est quelquefois monopolisée par les hauts fonctionnaires. Après tout, quand le président ou la présidente sera désignée, je pense qu'elle ne manquera pas de collaborateurs pour le service de la France, d'autant que je pense que sa victoire se passera sans doute dans une atmosphère de difficultés grandissantes dans notre pays. Lesquelles ? Que vous souhaitez ? Je ne les souhaite pas, monsieur, mais je tiens compte d'un fait qui n'est pas pris en compte généralement et qui est fondamental. C'est la révolution démographique.
la population mondiale est passée en 50 ans de 2 à près de 8 milliards d'habitants, créant dans tous les pays du monde des situations sociales, économiques et donc politiques dramatiques qui vont provoquer certainement des conflits très violents et alimenter le courant migratoire. C'est la raison pour laquelle nous devons nous défendre, chacun ayant non seulement le droit, mais le devoir de défendre son sol et son peuple. Comment ? Par tous les moyens possibles, tous les moyens nécessaires. C'est-à-dire ? La grande différence qu'il y a avec les conflits précédents, c'est que cette guerre est une guerre démographique. Elle n'est pas faite par des hommes armés, bottés, casqués. Elle est faite par des civils, souvent aux mains nues. Mais il n'empêche que l'invasion peut se produire sous ces formes-là. Et il est vrai que nous n'y sommes pas préparés psychologiquement, intellectuellement, et que nous devons nous y mettre. Donc le rempart, parce que c'est ça l'avenir. Le rempart démocratique, c'est le Front National. Et après, les autres moyens pour empêcher ce que vous appelez l'invasion, quels peuvent-ils être alors, Jean-Marie Le Pen ? Ce sont les moyens de la force, populaire. C'est... Il y a un risque de guerre civile, selon vous. Défendre son sol et son peuple, ce n'est pas seulement un droit, un devoir. Et par conséquent, ce devoir peut exiger des assaises. Mais est-ce que aussi, paradoxalement, vous n'êtes pas en train de dire que finalement le Front National ou le Rassemblement ne peut monter au pouvoir que dans le bordel? C'est-à-dire que les partis d'extrême droite, en général, partout dans le monde, quand ils montent, ou l'armée, quand elle monte au pouvoir, c'est qu'il y a eu un bordel ambiant ingérable, et que donc, dans un certain sens, vous souhaitez passage au pouvoir. C'est vrai que sans incendie, il n'y a pas besoin de pompiers. Il n'y a pas de problème. Oui, mais justement, vous souhaitez l'incendie pour pouvoir Il en est de même en politique. Mais la différence qu'il y a entre les autres et nous, c'est que moi, j'ai annoncé cela comme une réalité est peut-être incontournable. J'ai annoncé que les prémices que nous connaissions allaient entraîner des conséquences et que nous devrions faire face plus tard, nous agirions plus tard. Je crois que c'est MacArthur qui a fait un texte qui s'appelle « Too late », trop tard. Ce sont les deux mots, dit-il, qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Et je rappelle que la première affiche du Front National en 1972, c'était avant qu'il ne soit trop tard, car nous avions déjà le sentiment que les éléments constitutifs de la décadence française allaient nous amener à des choix drastiques. Marianne Soubré, avocate. Oui, j'essaye de comprendre, Monsieur Le Pen, ce que vous mettez sous le nom d'invasion, déjà. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez bien de quelle invasion vous parlez et de quelle décadence de l'État français vous venez de parler actuellement. Donc est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, parce que moi, honnêtement, la décadence, je ne sais pas ce que ça veut dire actuellement. La décadence de l'État, de la France, telle que vous la présentez, je ne la vois pas. Et l'invasion, j'imagine que vous parlez de l'immigration, puisque vous ne vous rendez pas compte de la déstructuration de la société française. Bien des exemples. Ça ne vous étonne pas qu'il n'y ait plus de force populaire, ouvrière, qu'il n'y a plus de force paysanne, qu'il n'y a plus de classe moyenne. Ça n'a aucun rapport avec l'immigration. One only, please. Oui, on a dit la même chose. On vous a dit ce dont vous parlez n'a aucun rapport avec l'immigration. Quand vous dites qu'il n'y a plus de force bien sûr, c'est un rapport avec... L'immigration est une conséquence ultime, serais-je tenté de dire, des politiques de faiblesse et d'erreurs qui ont été menées depuis des décennies et que j'ai combattu à cause de cela, justement. La fermeture des usines. Pardon. Vous dites qu'il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de classe paysanne. Je veux dire qu'il n'y a plus de classe ouvrière, il n'y a plus de classe paysanne, parce qu'effectivement, il n'y a plus de paysans, parce que tout le monde est monté à la ville, et il n'y a plus d'ouvriers, parce qu'on fait tout fabriquer en Chine. Est-ce que l'immigration est vraiment responsable de ça ? Non, je n'ai pas dit que l'immigration était responsable de la déstructuration française. Je juge la déstructuration française, c'est ce qu'elle la met dans un état de non-résistance, de résistance faible en face de mouvements populaires considérables. Et qu'encore une fois, seul le continent boréal, celui qui va de Vladivostok à Gibraltar,
connaît, lui, au contraire, un ralentissement démographique. Tout le reste du monde, c'est une explosion démographique des peuples de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes, qui vont évidemment tenter de gagner ce qu'ils croient être l'Eldorado, et que moi j'appelle l'Eldorado de la Méduse. Monsieur Le Pen, dans le livre, vous racontez, vous êtes réconcilié avec vos filles. Je m'efforce. Ouais. Oui. Et justement, alors, et avec Marine aussi, c'est fait ? Et même avec Marine, oui. Ce n'est pas toujours facile, mais je fais l'effort pour le service de la cause. C'est elle qui porte le drapeau. Par conséquent, je fais effort pour servir cette cause, même quand quelquefois ça va à l'encontre de mes sentiments personnels ou de mes affections. Oui, vous avez des mots quand même assez forts hein, sur votre éviction de la présidence d'honneur. Vous parlez quand même de parricide hein, sur Marine. Donc bon, c'est bien que vous soyez réconciliés. Mais il y a un héritage, Monsieur Le Pen, dont on parle beaucoup. C'est celui de Johnny Hallyday. Est-ce que vous, Monsieur Le Pen, qui avez trois filles, qui avez connu des problèmes avec vos filles, et notamment avec Marine, on sait lesquelles, est-ce que vous avez tout mis en place, sans vous faire offense, hein, mais est-ce que vous avez tout mis en place pour éviter ça, cette guerre de succession derrière ? Aussi bien sur l'héritage moral du Rassemblement national que sur l'héritage financier qui est quand même assez important. Toutes les familles connaissent ce genre de conflit entre les générations. J'ai en effet trois filles, j'ai 9 petits-enfants qui ont tous maintenant passé 20 ans. Donc par conséquent, qui sont entrés dans la vie active. Mais c'est vrai que je me suis efforcé de maintenir l'harmonie à l'intérieur de ma famille, comme tout le monde. Mais tous les gens connaissent ce genre de problème. Toutes les familles connaissent ce genre de problème, et quelquefois de manière extrêmement cruelle, en particulier quand il faut partager l'argent. Mais est-ce qu'il y aura une guerre d'héritage ? Et c'est réglé ou on feuilletonnera la famille Le Pen et l'héritage de la famille Le Pen ? J'en sais rien. Je ne sais pas, quand je serai mort, je regarderai ça d'en haut, parce que j'espère être en haut. Ah ben justement, parlons, justement, vous dites, vous espérez... Ah si vous montez, alors j'y vais aussi. Ben oui. Monsieur Le Pen. Évidemment. Je ne voudrais pas me retrouver avec Jacques Chirac et quelques autres tout à fait en bas. Ça, je comprends. C'est le crépuscule de votre vie, mais vous en parlez. Vous dites avoir perdu la foi. Disons qu'elle a été atteinte, certainement. Je pense d'ailleurs que la perte de la foi est un phénomène collectif. Et aujourd'hui, il y a, je pense, un prêtre pour 12 paroisses. Et la religion chrétienne, la religion catholique, qui a fondé l'État français, connaît un affaissement évident qui entraîne de lui-même l'affaissement de l'ensemble des structures. Mais ça n'est pas toujours, madame ou mademoiselle, toujours très sensible. C'est comme l'immigration. Ce sont des phénomènes à déroulement lent qui ne sont pas perceptibles immédiatement, sauf par les gens qui ont la lucidité ou qui ont le courage de se projeter en avant. Gouverner, c'est prévoir. Moi, j'essayais de prévoir ce qui allait arriver et d'essayer d'en protéger la France et les Français, entre autres. Mais je crois que le phénomène que nous connaissons de guerre démographique est un phénomène tellurique qui échappe même aux idéologies, aux ordres de tel ou tel groupe ou de telle ou telle personne. C'est un phénomène immense, mais auquel nous allons devoir faire face sous peine d'être submergés. Merci Jean-Marie Le Pen. Tribun du Peuple, mémoire aux éditions Müller. On se retrouve demain. Il est devenu zen. Il est devenu zen, Le Pen. Non, mais moi, j'emprunte à toutes les religions ce qu'ils ont de plus sympathique et de plus communicatif. Demain, on se retrouve avec un témoignage exceptionnel. Demain, vous n'avez pas son nom, c'est normal. C'est un espion de la DGSE qui viendra nous parler de ses missions, profession espion. Il sera à la table des GG avec Jacques Maillot, Gilles-William Golnadel et David Dickens. Bonne journée et à demain 9h. Merci. RMC. Les grandes gueules.